Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance intemporelle de ce jeudi 12 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite pensée positive de ce matin, se contenter de peu. Les gens paisibles et heureux sont ceux qui savent se contenter de peu et apprécier à sa juste valeur ce qu'ils ont. Et bien voilà la petite pensée de ce matin. Et aujourd'hui, eh bien, ça fait du bien parce que bon, le début de la semaine n'a pas été folichon. Et là, j'ai pigé l'amulette. Donc, c'est une carte positive. C'est la protection, l'amulette, n'est-ce pas? Elle représente, la chance, cette amulette, la protection. Elle est un symbole de pouvoir personnel et de magie. Elle peut agir comme un bouclier contre les énergies négatives ou les influences néfastes. Elle incarne, la confiance et la sécurité, offrant un sentiment ainsi de réconfort et de stabilité. En fait, ça peut représenter, l'amulette peut représenter une libération, un secret, avoir de la confiance en soi, de l'introspection, n'est-ce pas? Eh bien, cette amulette, elle vous protège. Et c'est souvent un porte-bonheur apportant ainsi beaucoup de prospérité et d'harmonie. Elle symbolise aussi la frontière ténue entre les mondes spirituels et terrestres, agissant comme un pont, n'est-ce pas, entre les deux réalités. Alors, vu que j'ai pigé cette carte aujourd'hui, vous devrez faire face à des aspects cachés de vous-même ou encore de votre passé. Cette amulette, elle vous encourage à plonger dans les aspects les plus sombres de votre être et ainsi à reconnaître les schémas répétitifs et les croyances limitantes qui ont entravé votre chemin afin de suivre votre destinée avec beaucoup, beaucoup de courage. Qu'est-ce qui a fait que vous avez des schémas répétitifs? Pourquoi? Quelles sont les raisons qu'il y a ces schémas répétitifs? Pourquoi il y a des croyances limitantes qui ne vous font pas avancer, qui vous stagnent, ces schémas répétitifs? Qu'est-ce que vous devez apprendre à cela? Demandez-vous pourquoi cette situation revient toujours? Pourquoi, si maintenant c'est dans l'aspect amoureux, pourquoi je rencontre toujours le même genre de personne qui est négatif pour moi? Donc il y a peut-être un travail à faire sur vous en profondeur, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous avez posé votre question. Posez votre question et la réponse est non. Elle suggère que des éléments dissimulés ou des obstacles cachés peuvent empêcher la manifestation du résultat souhaité. Il y a des obstacles cachés, donc c'est non. Donc posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je rencontre toujours le même genre de personnes? Pourquoi si, pourquoi là, que c'est toujours les mêmes choses? C'est que je n'ai pas appris de mes erreurs aussi. C'est parce que aussi, quand vous attirez toujours le même genre de personnes, vous avez une résonance avec ces personnes. Donc,
pourquoi avez-vous une résonance? Donc il faut travailler sur cette résonance que vous avez. C'est un travail à faire sur vous-même. Si on vous met, si l'univers vous met la même personne, le même genre de personne sur votre chemin, c'est que vous n'avez pas appris. Donc, il y a des questions à vous poser. Voyez, cet oracle, c'est vraiment un guide pour écouter notre petite voix intérieure et pour développer eh bien, ces facultés, n'est-ce pas, qui sont très profondes en nous, cette voix intérieure. Donc, cet oracle nous fait travailler cet aspect-là. Donc, le pourquoi et le comment, je trouve que c'est un magnifique oracle, hein, c'est un très, très joli oracle qui nous permet de revenir à nous en profondeur et ainsi de se poser les questions, le pourquoi des choses. Donc, voilà. Alors, je termine avec le petit oracle des anges gardiens. Et puis aujourd'hui, j'ai tiré « Éternité, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. » L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Ouais, c'est un beau message, n'est-ce pas, des anges gardiens. C'est magnifique, l'éternité. Eh bien voilà, donc l'amulette, c'est positif, mais bon, il y a, elle vous protège cette amulette, mais elle vous demande, eh bien, de vous poser les questions. Pourquoi j'attire toujours le même genre de personnes? Pourquoi je vis toujours les mêmes situations? Donc il y a quelque chose en vous qui fait que... Est-ce que vous n'avez pas appris de vos erreurs? Voilà, est-ce que c'est une question émotionnelle que vous êtes attendri par ce genre de situation, ce genre de personne? Enfin voilà, c'est tout une belle rétrospective que vous devez faire en vous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à demain. Je vous embrasse.